Écoute bien cette histoire. C'est l'histoire de tes racines, de ces plantes qui te nourrissent et qui nourrissent tes ancêtres depuis les premiers temps. Elles sont aussi les plus vieilles plantes cultivées sur Terre. Fiables, solides, adaptables, les hommes les ont transportées et modelées selon leurs attentes et leurs goûts. Cette histoire est la tienne. C'est à toi de décider de ce que tu veux en faire. Les plantes à racines et tubercules, le manioc, la patate douce, les ignames et les taros, sont produites essentiellement dans les pays tropicaux en voie de développement. Elles sont cultivées annuellement sur plus de 25 millions d'hectares et produisent environ 415 millions de tonnes d'aliments tous les ans. Les statistiques disponibles sont largement sous-estimées, car ces plantes sont souvent cultivées sur de toutes petites parcelles dans des zones défavorisées où les données sont inexistantes ou peu fiables. Ces plantes s'insèrent depuis des millénaires dans des systèmes agroforestiers où cohabitent une grande diversité d'espèces cultivées, bananiers, choux des îles, canne à sucre, arbres à pin, papayers, et bien d'autres encore. Elles occupent aussi très souvent des espaces marginaux où parfois aucune autre culture n'est envisageable, de raides pentes ou des bas-fonds marécageux par exemple. Elles permettent à de très petits paysans d'accéder à des marchés ruraux et urbains et elles favorisent un développement local qui est souvent le fait des femmes. $500 millions de personnes en dépendent directement pour leur alimentation quotidienne. Et elles sont consommées par plus de 2 milliards d'habitants sur la planète, surtout en zone tropicale humide, où est concentrée la majeure partie de la population. Leur rôle pour la sécurité alimentaire mondiale est primordial. Oh, my Vanuatu, on your land shall we stand. Oh, my Vanuatu, in your paradise shall I stand. Oh, my Vanuatu. En Mélanésie et au Vanuatu, que nous voyons ici, mais aussi dans tous les autres pays de la zone tropicale humide, les paysans pratiquent la végéculture. Contrairement à l'agriculture, la végéculture est une forme d'exploitation des plantes qui ne fait pas appel à la mécanisation, ni au labour ou au semis. Le travail du végéculteur se fait à l'aide d'un outillage simple et rudimentaire, mais somme toute très écologique, car peu exigeant en énergie fossile. Il s'agit du sabre d'abattu, du pieu à fouir, de simples houes et de pelles. La végéculture diffère encore de l'agriculture
en ce sens qu'elle traite les plantes individuellement et manipule généralement des clones et non pas des plantes issues de semences. Les plantes sont installées une à une dans les parcelles en utilisant la multiplication végétative. Il est très rarement fait usage des graines. C'est pour cela qu'on la nomme végéculture. Bien que les végéculteurs soient souvent des paysans pauvres et démunis, leur système de culture est loin d'être primitif, car il fait appel aux connaissances en agroforesterie et parfois à des techniques d'irrigation. Il a déjà fait la preuve de sa durabilité et ses rendements sont souvent impressionnants. En effet, ces plantes permettent, pour les paysans les plus démunis, d'obtenir manuellement, sans mécanisation, ni intrants, ni consommation d'énergie fossile, des rendements supérieurs à ceux qu'ils obtiendraient avec leurs faibles moyens s'ils cultivaient des céréales. Bien qu'elles appartiennent à des familles botaniques très différentes, les plantes à racines et tubercules présentent des caractéristiques biologiques communes. D'une part, l'organe utile de la plante est souterrain. Il s'agit de racines pour le manioc et la patate douce, de tubercules pour les ignames et de cormes ou de cormelles pour les taros. D'autre part, ces plantes qui se multiplient végétativement en culture ne fleurissent jamais ou épisodiquement. Elles présentent donc souvent une base génétique étroite, et c'est là leur seule grande faiblesse de nos jours, dans un monde où les changements vont grandissant. Car malheureusement, si l'on qualifie ces plantes d'orphelines du système international de recherche agronomique, c'est simplement que très peu de chercheurs se sont consacrés à leur amélioration. De même, aux échelles nationales, elles sont très souvent délaissées dans les priorités de la recherche, bien qu'elles bénéficient dans de nombreux pays d'un rôle culturel fort. Il s'agit en effet de simples cultures vivrières, et de nos jours, ce sont surtout les cultures de rente qui ont la priorité. Globalement, les producteurs travaillent toujours avec leurs cultivars traditionnels. Les rapides changements de régimes alimentaires et la dépendance croissante vis-à-vis des céréales importées, de même que les aléas et les prévisions de changement climatique, induisent une forte pression sur la richesse de l'agrobiodiversité des plantes à racines et tubercules. La variabilité morphologique des plantes à racines et tubercules est étonnante pour des plantes multipliées par clonage, par bouturage. Les habitants de certains villages conservent plus d'une centaine de cultivars différents de la même espèce, à raison d'environ 10 à 15 variétés par famille, et parfois plus. «
Les savoirs traditionnels sur ces plantes sont très complets. Un cultivar traditionnel et son complexe culturel, c'est-à-dire son nom, son histoire, sa couleur, sa texture, sa transformation, son goût, son agronomie, son type de terroir, s'érige de génération en génération et voyage aussi très facilement. Mais d'où viennent donc toutes ces variétés, puisque les végéculteurs ne pratiquent que la multiplication végétative? Comment le clonage peut-il engendrer une telle variabilité? Laissons les producteurs nous le raconter. Saya mimi kat mimi play mimi planem ten kain tarua usah mula mula belum itu stalem hemnya hem mimi play kolem maibu oli karem lo maibu ikam usah mimi play planem mimi play kat one kain usah finish pe taruya usah mula karem lo maibu hemnya now hemnya ikat full up kain hemnya now one. Ok, le plaisir. Je me casse chaque jour. Je me vois tout où mes blés planent planter, puis au licarme lampai. Taroye, au licarme lampai. Je me le small one. Je me vois taro où mes blés carme tout le. Oh, tana. Vois taro où le carme le tana. Mes blés ne savent même plein, puis mes blés c'est à quoi le nom c'est taro le tana. Je me. Ok, le je me. Hemi tarapotan. Mi bla hemi plumi bla nomo. Le plaisir hemi na tamarai ruo. Na ei. Na tamarai ruo. Oli planem tu lo karen lo botataro. Oli planem tu lo karen lo botataro. Hemi kutu plo mekem nalot lem hemi. Lo antat lo retuan mi bla kat. Lo retuan ya. Hemi ya hemi. Wantaro plo mai botu apis na pis mi ble kolem na pis me emia ok le plaisir hemi wan taro plo emia hemi wan ar bla kain taro tu hemi plo le plaisir mo plo mi bla na mo plo plo mi bla pi fo sta planem mi ble kolem hemia hemi mari papa emia hemi taro plo ol fu plo mi bla pi fo ol holem tet ko kase mi bla na ya hemia tu hemi sema ka mia hemi po erbul. Et maintenant, je mets taro plo. Pifo plo pou plo mi blanem mi blanem. Mi bla tu ol bla li planem papa plo mi planem. Kase mi tete mi sta planem mi. Ouais, ça tamer vous. Le plaisir le sait tout du mien. Et mais. Bla go moto po. On a pifo moto po. Out lol taro ya, he meta mi planem. He mna fes one plu kakai. Et mais. Et plo plaisir. Hemi plomi vela namo plol pupu plomi vela. Time where you planem out lol taro yimi planem lol taro koko lol taro bo ready first time. Hemi one lol taro hemi now first time we ready. Hemi. Hemi kutu plol piknini kakai. Hemi kut. From hemi sup. Hemi vela kat full up kai nit. We think pa yimi sabe kolo karen wata pa yimi sabe luk plantemo. Hemi vela planem lol from sam nikat. Samu kurkut lol trailan samu kurkut lol karen wata meke meme. Sakius lo di one man emblem Sakius. Emi buk paut lo pus lo ampai emi painem. Emi painem ale emi tete mi kam i planem lo karen plehem ale. Pol man oli talem nem plehem se Sakius pro nem plo mania e bo emi painem taru ya. Emi Sakius nem plehem Sakius. Ale oli putum nem plo taru ya Sakius lo nem plo mania. Ikat plan de kain when fly planem le koli pe sanfala ham li wael oli no kirim kut fala kakai pe sanfala we oli lan blo sta kakai wota taro every day oli chusum se which one right one now we mi fly planem blo mi fly kakai because pa mi fly benefit le hem o se me kem sel le hem pe ol natawan oli testa me kem flawa no oli kuruna ting oli no produce kut fala kakai.
Pe ol to plo taro he mea mi fly karem lo Central Park lo Pentecost pe mi fly fine ma ta ta mi fly planem lo Pentecost se mi te ke mo long time pe wetem lo Santo mi fly kam planem mi fly fine ma ta he mi short time no mo plo mi fly half festem we plo he mi ready now plo mani kakai okay and then another thing time when mi fly plane mi fly you some top lehem no mi fly never realize them that me he mi cut one way bagen blo pollinate or pollinate mo one them all flowers plehem seeds plehem ya pe what them traditional way blo mi fly when fly you some taro ika mi fly sta pa karem all top lehem no mo blo plante plane bagen what them all baby crotch plehem ya blo mi fly plane bagen e me mi fly kolem se what lie. And then Natawania, mi fly kolem se Win Bilan Samuel. E mi alowe mi fly kolem se Alkat. He mi come out lo Pentecost too, pe he mi wan taro we kakai ple he mi pipik wan ta mi fly planem lo Pentecost. Kakai ple he mi pipik wan mo he mi test nice with them top ple he we time we mi fly kakai he mi young leaves ple he. He mi test nice, he mi sweet more than all lo sangola taro ya. And his name? Alkat. Okay. Pe hemi hemia na hemia kainia hemi kut. Hemi kut we kut. More than narafala tu bagen. From out lo hemia hemi kat tri kain. Alkat pe nemble everyone hemi alkat pe. Oli kat different color blo skin. Roman Blemia. Mi tole pin maret lo 1991. Hemi kam sta wote mi ale ikatol plan we hem tu kam na sa di kambotem. Hemi kambotem kumala, ikambotem yam, kambotem taro, ikambotem sam kokonas we lo yimi le blise ol kan kokonas le blise no kat mi tole ka hemi pin kambotem. Afta le mi hemi kambotem wanar la tri bagen we yimi kai fruit le mi namambe. From le blise akra tria lumi inokat megem se mi vle karem na seti kam lokam kroem le blesia ple mi vla tulu pse mble katol chem wel keta tul kat se makol chem boye bun buko lo vle splem bun buko ol keta ol kat mi vla tulu pse na vlante se mi vla tulu mble maskat ol bubu ble mi vla ol man lo suga ken ol kam ble stili mol keta lo karem mi ko lo suga ken lo wok lo suga ken afta karem mol keta kam bak ol karem na via lo ambai. Oli karemikam, afta oli kruem lo mivla. Afta mivla kakai, mivla harem tesple mikut, mivla stil kruem kasem nawea. Samiam oli kamin sait lo mivla tete. Be fula pu mivla stil hole mi kasem taim we al pu oli stat lo taim lo story. Mivla stil hole mi kasem tete we mivla sta ki pe ol farete li sta pu te mivla. We mivla hole mi sta pu kasem tete. Ampai fine mauta samol sem Thomas. Même si vous n'êtes pas dans la place, Raveur a mis le même là. Nabdi a mis le même là. Tanaout a mis le même là. Plartl a mis le même là. Warnhart a mis le même là. Nous ferons un type de même là. Par exemple, le one même là, le malo. Je suis allé travailler, le French, le Island. One même là, le malo. Je suis allé dans le malo. Lawan marat lawan berat afta mi vela fine mi vela karegam afta wan wen vela talem sin wana mi vela konomo lo malo mi vela fine mi vela karegam mi vela ses out nomo travel ko lo narhola island nomo mi vela fine mi vela karegam lo plesa na mi vela stakim nem lo all island mi vela stapik ma vlem nomo vela stakim nem o street nem o alman plesa dig nem before lo plesa inokat yam wali mi kolem boilu inokat so man ami interest too much blo planem woilu but ami kam sa maman li kolo New Caledonia sa maman Vanuatu li kolo New Caledonia so ta mo di wande li kolo kaden la Caledonia o le look yamia li interest too much blo karam planem lo Vanuatu le balina sabe karam plan di from dimas by landuan by yolem tait landuan arta oli karam small one mama ikaram small green blo wailu
Il peut tout me l'embasquer de l'autre. Allez, il quand passe la douane, il ne le savait, il quand passe parce qu'il a un monsieur. Attends, il plane. Wania, un bateau, il y a un problème. En fait, il a même mis un planté, il plane un bagage. Mais qui me tête, il a vraiment full de l'autre. L'employé, il a un peu. Je suis de mes pic-pic pour la yam, mais comme c'est, je suis comme la mi pic. And does it always have two legs? Yes, yes. Et quand ça m'a dit, ça veut pic one more, mais c'est mal. Et quand moi, il pic one more. Yam, yam. Je voulais l'anem, t'as mis place mon small. Ol parents mi vlay save time ol parents plan mi vlay ol stop mi vlay ko wata mokata lo fam ol lan mi vlay how plan mi vlay plan am mi vlay plo mi vlay sta lo island mi vlay lan am tuplo plan am be emit different system time mi vlay kam lo santo mi vlay lan am emit different system from crown emit different so that's why mi vlay plan am emit ol sem ol man santo na li plan am me mi pipi vlay am sometimes mi mitigi mol sem mi pipi kwan that's why mi vlay mas tigim crown in masco town. Alle mi vlay putum tu iko antap. Lo megem se pai kakai plo yan ni pikwa. Everyone mi vlay kukum lo. Isabe kukum lo stone, isabe megem lap-lap. Wo isabe kukum lo suspend. Struck red one, isabe megem nalot. Ah, mi vlay stop kukum. Sometimes mi vlay putum lo stone, mi strong. Mo tamem mi stop lo stone it, ikut mi le mas temi odlo stone. Mas kakai same time, from so semi kol kol pai isabe strong mani na saya kakai. Strong tu mas. Na oli saya sum tu blokirano mo, krim lap lap. Lo mekem nalot. Hemia hemi one technique we mi blaze tapi sub lokilim nalot lem. Olsem lo vano tu ikatif different island bol ikatif different technique lokilim nalot mi bla lo olsem lo pesena. Hemia hemi style bol pupu blo mi bla lo stap yuzum. Hemia no mi bla te stap display lo blaze. Mi bla hemia technique lo mi bla hemia no. Mi bla kat one plateau olsem bol bokem no lo hut. Aptai kat one hut olsem bol ikatem. Plus il holem, plus il kilim na lotle. Mi fla lo walarano, lo island lo malekula. Mi fla ilaikem, mi fla planem yam. Mo, mi fla yusum la yam, lo all pic fla event. U simple makem custom. Mo sometime lo tet, mi fla makem custom. Mo lo all pic fla la fetol se mare. With them all friends blo mi vla all same you vla we vla you white color all tif different color pe meaning blo lap lap e mi all same you meet one no more shiny ne shiny so yeah me mi very important lo mi vla lo wala rano mo all time mi vla must plan and yam mi vla puto mo li amia all special yam ya specifically look look te mi all long vla ya long for layamia e mi different lo all natayamia we only run little bit long for layamia if like lo romiche mi yam lo business and after mi fle mi kem la fetia every man we come help mi fella mi fle must make him one small sign lol kita never mind specially karem big fella something or some weta likare one contribution lo 100,000 lo 1 million be mi fle lo make one sign lol keta so one sign pa mi fle ki one yam or semen ya mi kat value we kat value we no kat some yim na saita le value plan from mi precious lo mi fle héritage échange nouvelle introduction mutation découverte. Il existe un grand nombre de moyens d'accumuler de la diversité visible dans les jardins de racines et tubercules. Loin d'être le parent pauvre des systèmes d'exploitation agricole, la végéculture apparaît donc comme un système extrêmement dynamique qui génère une certaine forme de diversité que
que les paysans se plaisent à gérer. Mais ce système dynamique n'est entretenu que grâce au poids socio-culturel de ces plantes. Elles sont traditionnellement associées aux nombreuses formes de représentation culturelle. Le prestige d'un clan, les échanges de patrimoine, la confection de plats traditionnels qui entrent dans les cycles coutumiers, comme le mariage, les fêtes religieuses, les prises de grade, les décès, etc. Ces plantes appartiennent à un environnement culturel qui renferme des savoirs gastronomiques importants et entretiennent des folklores particuliers. Toutefois, si les plantes alimentaires traditionnelles doivent rester les révélateurs de la bonne santé culturelle des nations, elles devront d'abord faire face à un autre défi. Être compétitives dans les assiettes par rapport aux produits importés. Et ça, c'est loin d'être gagné. C'est la plaque, c'est notre coutume. Difference between Africa, Nigeria, and Vanuatu. All farmer play me only work crown current block at small. Pe only plant them plant the also mix kaka inside. Pe lo set lo Nigeria suppose me take only plant them all hecta yam also small wailu. Now all kata only plant also me from where all market men revenue lo kata ikam lo kam emi lo set lo winning money emi lo set lo yam. Only masalem lo winning money. Now all Salem, all in Salem outside, all Salem between all city, all gata, lo Nigeria, lo Nigeria. Time all Salem say restaurant, all local restaurant, all gata. You make local, kakai local. You make kakai lo hand blame me. You know use some spoon. So lo compare what you make lo Vanuatu. Time go lo restaurant. Ah, me I me. All them knife, spoon, all something. Everyone all nice. Kakai we come outside. Lo gata local one. What happens when the ships come? When the ships come, it takes cobra, takes out cobra, and sometimes it takes cap. And shell. And what do they take? What do they bring? They bring cigarette, Coca-Cola, couscous, rice, cotton and wheat. Do they bring Milo? Yes. Milk. But you make cacao here. Yes. They come and we sell our cacao. L'équilibre fragile dans lequel se trouvent les variétés traditionnelles des plantes à racines et tubercules, est d'un coup rompu par l'intrusion de la mondialisation. La diversité des gastronomies laisse place à la standardisation des goûts alimentaires. Ici et là, on est nourri par l'agriculture pétrolière, qui arrive encore à produire un amidon peu cher, mais pour combien de temps encore? C'est la victoire du riz et du blé sur les petites plantes locales. Nourris de pain et de riz importés, les enfants acquièrent très vite des régimes alimentaires d'un autre monde, très loin de ce que leurs parents peuvent leur offrir en cultivant leurs terres. C'est le plongeon dans un cercle infernal où les importateurs deviennent des marchands de rêve qui idéalisent la consommation des produits venus de l'étranger. Consomment et gagnent.
pour offrir aux jeunes générations la satisfaction de leurs nouveaux goûts alimentaires, les pays dont la gastronomie traditionnelle reposait sur les racines et tubercules devront-ils faire le choix crucial de sacrifier leur culture vivrière? Devront-ils ne produire que des cultures commerciales destinées à l'exportation pour pouvoir s'offrir les denrées alimentaires venues des grandes puissances agricoles? Est-ce le signe que la culture des petites plantes traditionnelles est menacée par des produits qui dépendent totalement de l'énergie fossile, tant pour leur production, leur emballage que leur transport? Et que faire des déchets occasionnés par la consommation de ces produits? L'augmentation annoncée des coûts de l'énergie sur lesquels reposent les productions agricoles qui inondent le monde ne devrait-elle pas faire réfléchir les dirigeants des pays pauvres sur leur autonomie future à se nourrir? Que se passera-t-il lorsqu'elles coûteront tellement cher qu'il faudra exporter beaucoup plus de denrées pour pouvoir se les acheter? Qu'adviendra-t-il lorsque les produits importés n'arriveront plus quand l'énergie fossile sera trop chère pour les produire et les acheminer? Sous le sol est chaud, les quatre murs remplis d'eau, nager dans les flots. Cela entraînera-t-il une paupérisation, voire une prolétarisation des paysans qui, dans certains pays, restent paradoxalement des propriétaires terriens? Cette végéculture traditionnelle d'antan, pourquoi n'ont-ils pu reconnaître à temps quelle était la condition même de leur survie? Root crops, I belong Vanuatu, every island belong Vanuatu, I life belong all man. Rice, I come behind. Root crops, I very important long. Daily life long all people long Vanuatu. So every people long Vanuatu, he got current. He got one current, long life long him. Every day, he got a current, current kakai, long kakai, so only depend long him. Today, he got planted tok tok long, maybe look beyond subsistence agriculture, maybe look long commercial agriculture. But until ni Vanuatu only people show mo kata how long only make long commercial agriculture amba only continue with them subsistence agriculture and today you call a market long villa you call Santo and Malakula with them tada tuvala narvala big fala senders market price long all thing come and up to now. So sometimes long villa, for example, you must decide whether any wood you pay 1 kilo island kakai or you pay 1 kilo rice. Because sometimes 1 kilo rice, Bamba is giving you 2 or 3 mil. Whereas 1 kilo island kakai, I 1 mil no more. So although people you want them kakai island kakai, because only no survey afford lo pem lo market. I got a waste of lotan, only must spend rice. Long personal opinion blow me. Vanuatu, I not plan the resources. One not the main one, I land blow me fella. More human resource blow me fella. So you put them to fella together, agriculture is very important. So we think me fella should invest more. Long upgrade them agriculture.